Eh bien, bonjour à tous. Alors j'ai remarqué que le format de vidéo sur les pêches un petit peu atypiques, donc comme la pêche d'un brochet au ver de terre, vous a plutôt plu. Alors j'ai décidé donc de garder quelques vidéos un petit peu particulières, comme celle-ci que je vous propose. Donc je pêchais au pain, donc c'était à la fin de l'hiver. Et vous allez voir, j'ai pris un poisson carnassier au pain qui n'était pas censé mordre. Donc voilà. Et vous allez voir, il y a aussi un poisson que j'ai pris, qui est sûrement l'un de mes records. Donc je vous laisse visionner et je vous dis à bientôt. Les amis, on va essayer de pêcher une carpe ou un gros chfen. Voilà, un petit bout de pain et c'est parti. Oula! C'est bon. J'ai qu'à attendre. Ouais, on va essayer de le faire passer sur le côté. Merci. Hey Tim, il suit la veine d'eau. Dans le trou, ouais. Et il a mis une petite touche. Et plus rien. Je me suis dit, bah vas-y, on va ferrer quand même au cas où. Allez, bah tiens. Ouais. Ah bah, MR, merveilleux ça, mon petit gars. Regarde-moi ça. Allez. Il est tout petit. Enfin, il est tout petit. Pour le spot. Il n'est pas énorme. Il fait pas les 55 celui-là. Ouais. C'est un petit 47. Voilà, attends, vas-y. Voilà les amis, un joli chfen. 47. Voilà, c'est reparti. Cap pas. Quoi? Cap pas cet après-midi. Elle vient à quelle heure du coup? Hein? Elle vient à quelle heure? Bah, je sais pas, j'attends qu'elle me réponde. Ah bah voilà. Ça, c'est un tout petit. Bah non, il est pas petit. En plus, c'est quoi? C'est une baleine ou un as? Non, c'est un chevel. C'est un chevel. Il est balèze, c'est un chevel ou un as? Non, c'est un chevel. Il est énorme, mec. Non, c'est un as. C'est un as. Oh, c'est un as. C'est un as. Bah la dinguerie, mon petit gars. Oh putain. Et bah, ça, c'est un beau coup de ligne. Et aujourd'hui, on prend que des poissons à froid. Tu veux bien y aller? Bah la dinguerie mon gars. Ouais, je me disais c'était bizarre, ça mettait des coups chelous quand même. Hein, hein? Il mettait des coups bizarres. Ah ouais. Il l'a pas pris tout de suite. Il m'a mis juste une petite tape. Il est tout mec. Il est pas gros, ouais, la vache. Il doit faire 60 hein. Oh la gueule trapue qu'il a, yon. Non, on dirait vraiment qu'il est tout maigre. Il est vieux. Il a une malformation. C'est quoi, c'est un hameçon? C'est un
un hameçon finalement. Non, c'est une malformation. Et il est gros quand même, hein. Il a une belle tête. La mouette, t'as vu, c'est bizarre. Ouais, la mouette, elle va pas bien. Il a plein un refuge animalier. C'est bien. 69. 69, bah allez. C'est 70, quoi. Putain, la vache. Tu te rappelles une ex, toi aussi. 70 ? Non, non, maintenant. Le chiffre d'avant. Je vous reprends sûrement le dernier poisson de la session et c'est incroyable, c'est un nas. Alors, dans le Grand Est, les nattes mordent au pain, je le sais, mais chez nous, c'est très très rare. C'est même presque improbable. Et il fait 69. Pas de mots, s'il vous plaît. Allez, ça va repartir à l'eau. Bon, les amis, hein, poisson de 69. Il est tout maigre, c'est incroyable. Un beau poisson avec une belle tête trapue, c'est vrai qu'il est pas gros. On dirait un tarpon. Par contre, ouais, c'est ça. Hein. Et j'ai pas compris tout de suite à la touche, hein. C'est quand je l'ai vu se débattre la tête en l'air, je me suis dit tiens, ouais, oui. J'ai vu que c'était pas un chouette, j'ai vu que c'était une rame. C'est qu'il est beau quand même. Ah ouais, c'est incroyable. C'est un vieux poisson en plus, ça se voit. Il repart nickel. Yes. Incroyable. Je suis occupé. Ah mais depuis tard, je te vois, ton fil il était pas tendu. Ah ouais. Ouais. Ouais, parce que là, dis-toi, il y a un... ton plomb il est là au fond. Ouais. Si tu mets du mou. Ça c'est assez dur par contre. Ah ouais. Bah ou je sais pas mais. Oh oui oui. Oh non cassé. Non. Ah. C'est gros. Ah oui c'est. Ou un barbeau. Oh, donc, ça m'a mis une grosse cartouche. Non, c'est peut-être un gros, 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 gros chevel. Prends pas les cailloux. Ah non, c'est un gros chevel. Oh, yo, il m'a mis une sacrée cartouche. Ouais, il est beau. Ouais. Bon bah voilà, le poisson anti-bredouille. Il va se décrocher, non? Il y a une belle bête encore là. Il est moins gros qu'hier mais quand même. Ouais c'est ça ouais. Et ici ils sont... Ah oui, ils sont énormes. Ah c'est ça, 53 ouais. Mais chaque centimètre c'est précieux. Quand ça dépasse les 50, c'est... Ça ira bien de toute façon. Il est moins gros celui d'hier. Celui d'hier. On va des chevaines comme ça. Les chevaines comme ça, on n'en voit pas souvent. Ah non, non. Il a des belles couleurs. Hein. Ouais, ah ouais, ouais. C'est pas trop bien, Coco. Hein. Allez, mon gros. Non. Poisson, c'est lui. Non, c'est pas si dur. Ah, quoique, je sais pas ce que c'est, mais. C'est un chevenne, peut-être. Je sais pas ce que c'est. Non, c'est un chevenne. Il est obèse. Ah, oui, il est obèse. Wow, il est obèse, mon gars. Ah, bah là, je pense que. Je sais pas si c'est mon record, mais... Là, mon petit gars, je le dis... Ah, en fait, c'est qu'avec Mokken, quand tu m'as dit que Mokken, ça marchait pas, je me suis dit, bah, c'est mort.
On va essayer quand même. Je il fait pas les 60 à mon avis. Non. Mais. Il est... Ça se trouve, il est pas si grand que ça en vrai. 55. 6. Ça va. Ouais, 56,5. C'est peut-être pas mon record, mais. Au niveau de la grosseur, t'es pas. Mais il est très 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 gros quand même. Moi les amis, c'est un chevesne en mode baleine. Il y a vraiment que ici qu'on voit des poissons aussi gros. Voilà, 56,5 pour celui-ci. Là c'est vraiment un très très gros chevesne. Des poissons comme on voit pas souvent. Là tu veux le relâcher? Vas-y. Vas-y, prends-le là. Voilà, oh, il est énorme. Ah oui, c'est vraiment lourd. Ah non, mais là, il est vraiment énorme. Oh lolo, 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 lolo. Incroyable. Oh, mais t'inquiète pas, il va ressortir. Incroyable le délire. Je m'attendais pas. Ah, mais non, je pensais à tout sauf un chevesne.